تسحروا فإن في سرور فإن في سرور بركة رواه البخاري بريدي من بعد اليوم كان إلى تلميذ حديث رابورتي بار البخاري ومسلم إذا زلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل البركة في السرور والكيل سرت الله أمين بنديسيون dans le repas de l'homme que l'on mange pour le jeûne et dans la mesure. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé que ce repas est une distinction entre le jeûne islamique et celui des gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, face au rabbin de Siyam et au Siyam al-Kitab, appelé tout ça, rawahu muslim. La différence entre notre jeûne et celui des gens du livre et le repas de l'homme, rapporté par Moslim. Il s'avère donc que le musulman veille à la prise de ce repas, ne serait-ce que de l'eau, à défaut d'autre chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défait dit à ce goût, il va connaître le barca, voilà ta douleur, voilà où a été dit à la douleur, voilà ta douleur. Le repas de l'homme est un repas béni. Ne le laissez pas, ne serait-ce qu'une gorgée d'eau que l'un d'entre vous boive. En effet, Allah et ses anges prient sur ceux qui prennent le repas de l'homme, bien sûr dans le cadre du jeûne, rapporté par Ahmed. Et il est conseillé de ne prendre tardivement ce repas avant l'apparition de l'homme. Troisième action pour bien mener son jeûne, comment passer la journée avec le jeûne. Une fois que le musulman a mangé son repas de l'homme, il doit se préparer pour la prière des Fadir. Il doit observer en commun dans les mosquées d'Allah avec les autres musulmans. C'est pourquoi il est préférable de prendre ce repas tardivement avant l'apparition de l'homme ou avant le dernier appel à la prière dans lequel le musulman dit As-salatu khayru min an-nawm. Car cela permet de ne pas dormir, contrairement à ce que font beaucoup de gens qui se remplissent le ventre une ou deux heures avant l'apparition de l'homme, puis retournent au lit pour enfler jusqu'à l'heure d'aller au travail. Or, manquer à la prière dans les mosquées est interdit aux hommes en tout temps. L'interdiction devient plus stricte dans le mois de Ramadan, qui est un mois de foi et d'adoration. En effet, la prière en commun dans les mosquées est obligatoire pour les hommes. Après avoir accompli la prière de l'homme, le jeûneur doit veiller le long de la journée à ne pas commettre les actes qui annulent son jeûne. Et ceci se résume comme suit. 1. Le manger. 2. Le boire. 3. Le réveil ou le masque de la femme. Ça, c'est indépendant de la femme. 4. Le rouchir ou sang de la prière accouchement. C'est également indépendant. Le vomissement volontaire annule le jeûne et il est comme à celui qui fait cela de rembourser ce jour-là par un autre. Mais celui qui vomit involontairement, son jeûne est normal et il ne doit rien comme remboursement. 6. Tout ce qui tient lieu de manger ou de boisson, tel que le sérum qui tient lieu d'aliments pour les malades ou le sérum sanguin. 7. La masturbation, c'est-à-dire le fait de faire sortir le liquide spermatique par un moyen quelconque, tel que la main, le baiser, le toucher ou autre. Celui qui le fait, son jeûne s'annule et il doit le rembourser. 8. La saignée volontaire, qui fait perdre beaucoup de sang susceptible d'influer sur le corps du jeûneur. Mais quant au saignement d'inner, au sang qui sort en tout sang, au sang qui coule d'une plaie, au sang pris pour un examen médical, ou qui sort suite à une injection, eh bien tous ces différents sangs ne rompent pas le jeûne. 9. Le rapport sexuel, qui comme commet un rapport sexuel avec sa femme, alors qu'il jeûne, leur jeûne s'annule et il recommande à l'homme de faire 4 choses. Première chose, quand je dis l'homme, c'est le mari. Donc il recommande au mari de faire 4 choses. Première chose, il doit continuer le jeûne jusqu'à la nuit sans manger, ni boire, ni répéter l'acte sexuel. Deuxième chose, il lui incombe de se répandre sincèrement auprès d'Allah, en regrettant cet acte abominable qui est la transgression des prescriptions d'Allah. Et a décidé de ne plus répéter cela le restant de sa vie. Troisième chose, il est incombe de payer ce jour-là par un autre jour de jeûne. Et quatrième chose, il est incombe la compensation qui consiste à faire ce qui suit. 1. Affranchir un esclave musulman au temps où il y en avait. 2. S'il peut affranchir un esclave, alors il jeûne 2 mois consécutifs. 3. S'il ne peut ni affranchir un esclave, ni jeûner 2 mois consécutifs, alors il doit nourrir 60 pauvres. 4. S'il ne peut rien de toutes ces 3 choses, alors l'obligation de la compensation est levée et il n'en peut rien. Barakallahu li wa lakum fi qur'anil karim wa nafa'ana bima fihi min ayatil 'alimin. Aqulu ma tasma'un wa
أستغفر وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم. Respectif, que Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et nous conforme davantage à
sa sainte volonté partout et toujours, qu'elle bénisse notre cher pays déjà de son peuple, ainsi que l'humanité. Adam Sallou au sein de moi, la Rassoul de Mohammed Kamarou Moutoubizaï, Lama Sallou au sein de Mobari, Kouani, Marabika Rassoul de Mohammed, Wala Ali, Wala Mama, la Sahamé, Maïd, Wanda, Birahmatika, Yara, Rahimin. Allahumma izzil Islam wa muslimin fi kulli makan. Allahumma izzil Islam wa muslimin fi kulli makan. Wa arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a. Wa arina al-batil batil warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat lima qareeb yurda'u rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallib al-qulub tsabbit qulubana ala deenik. Allahumma ya muqallib al-qulub tsabbit qulubana ala deenik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa alihim ala abdika rasulika muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة وارحموا